Obtenir une peau parfaitement douce et brillante n'est pas facile. Mais ne t'inquiète pas, j'ai quelques recettes faites maison simples pour toi qui feront briller ta peau en seulement quelques minutes, peu importe ton type de peau ou ton âge. Tu veux connaître tous les détails? Alors découvrons-les ensemble! Numéro 1. Masque à l'avoine et au cacao. L'avoine est un ingrédient très connu pour exfolier la peau et le chocolat en poudre est extrêmement riche en antioxydants dont ta peau a besoin pour être en bonne santé. Ajoute de l'huile de coco et du miel pour une hydratation supplémentaire et ton masque indispensable pour une peau fraîche et jeune et prêt. Si tu sens que ta peau a besoin d'aide, mélange une cuillère à soupe de chocolat en poudre, la moitié d'une cuillère de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de miel et une demi-cuillère d'huile de coco. Mixe bien tous les ingrédients afin d'obtenir une pâte homogène. Maintenant, lave ton visage, tapote-le avec une serviette pour le sécher et applique la pâte sur ta peau. Applique une fine couche de cette pâte et ce sera suffisant pour obtenir d'excellents résultats. Laisse reposer pendant 20 minutes. Puis rince avec de l'eau chaude, et voilà. Numéro 2. Lotion tonique apaisante au miel et au concombre. L'une des plus grosses erreurs que les gens font, c'est de sauter l'étape de la lotion tonique dans leur routine de soins de la peau. Les lotions toniques restaurent l'équilibre naturel du pH de ta peau, en la protégeant et en la rendant douce et belle. Tu peux acheter une lotion tonique la prochaine fois que tu vas faire des courses, ou tu peux la préparer tout de suite et profiter d'une peau brillante. Commence par peler deux concombres et mets-les dans un mixeur. Puis, filtre le jus de concombre et mélange-le avec une cuillère de miel. Une fois que tout est prêt, applique une petite quantité de cette lotion tonique sur ton visage en utilisant un disque de coton. Voilà, ta peau est à nouveau fraîche et éclatante. Numéro 3. Purée de citrouille et de lait. Tout le monde adore la citrouille, n'est-ce pas? Apparemment, ce n'est pas seulement un produit délicieux, c'est aussi un excellent traitement pour la peau sèche et terne. Ajoute du lait pour resserrer les pores et du miel nourrissant au mélange pour obtenir l'un des meilleurs remèdes pour une peau brillante et douce. Si tu veux découvrir les résultats par toi-même, coupe quelques morceaux de chair de citrouille, fais-les bouillir et mets-les dans un robot de cuisine ou un mixeur pour obtenir une purée. Après avoir fait cela, ajoute la moitié d'une cuillère de miel et la moitié d'une cuillère de lait à ta purée et mélange le tout afin d'obtenir une pâte. Applique ce mélange sur ton visage propre et laisse reposer pendant 15 à 20 minutes. Une fois que c'est sec, il est temps de rincer avec de l'eau chaude. Répète ce traitement une ou deux fois par semaine. Tu ne reconnaîtras pas ta peau. Numéro 4. Préparation au thé vert et à la farine de riz. Boire du thé vert est génial, mais l'appliquer sur ton visage est encore mieux. Ces antioxydants resserrent tes pores et c'est un excellent traitement pour ta peau. D'autre part, la farine de riz blanchit ta peau, ce qui est plutôt utile si tu as des taches de pigmentation ou d'acné comme moi. Et l'ingrédient final est le citron, le meilleur produit naturel anti-acné et points noirs. Comme toujours, ce mélange est très simple à préparer. Tu as seulement besoin de mélanger 2 cuillères de thé vert fraîchement infusé avec 2 cuillères de farine de riz et 1 cuillère de jus de citron. Mélange tous les ingrédients afin de former une pâte et applique-la sur ton visage pendant 20 minutes. N'oublie pas d'utiliser une crème hydratante après avoir rincé le masque avec de l'eau pour une hydratation supplémentaire de ta peau. Numéro 5. Gommage avec de la cassonade et de la vanille. Les gommages sont l'un des produits de beauté les plus essentiels pour notre peau. Cependant, il est très important de faire attention étant donné que les gommages forts peuvent sérieusement endommager ta peau en provoquant de l'acné et des irritations. Heureusement, j'ai un gommage économique, facile et très léger pour toi et il fera un excellent travail pour exfolier délicatement ta peau. Il n'y a que 2 seules étapes pour préparer ce gommage. Mélange 2 portions de lait avec 1 portion de cassonade et ajoute quelques gouttes d'extrait de vanille pure. Si tu veux doubler les effets, ajoute également un jaune d'œuf au mélange. Maintenant, le gommage est prêt à être appliqué sur ton visage ou ton corps. Mais modère ton enthousiasme en voyant les résultats. Il est recommandé d'utiliser ce gommage pas plus de 2 fois par semaine. Numéro 6. Pâte nettoyante à la cannelle et au thé à la camomille. Cette pâte faite maison est très bénéfique pour ta peau. Elle apporte plusieurs effets en même temps.
La cannelle stimule ta peau, le thé à la camomille a un effet adoucissant et rend ta peau douce. Le lait exfolie la peau et le miel aide à se débarrasser des taches d'acné. Excellent combo, n'est-ce pas? Pour obtenir tous ces bienfaits, mélange la moitié d'une cuillère de cannelle en poudre, une cuillère de thé à la camomille fraîchement infusée, 2 cuillères de lait et 1/4 d'une cuillère de miel biologique. Tu devrais obtenir une pâte homogène. Humidifie ton visage, masse-le doucement avec ta pâte. Laisse reposer pendant 3 minutes maximum, puis rince avec de l'eau chaude. Et voilà, ta peau est à nouveau éclatante. Numéro 7. Masque pour le visage à la terre à foulon. Les spécialistes recommandent d'appliquer des masques pour le visage au moins une ou deux fois par semaine. Et tes options sont vraiment affinées vu que le marché est rempli de masques hydratants, nettoyants et adoucissants. Mais tu as besoin d'un seul masque pour avoir une peau parfaite et brillante. Un masque pour le visage à la terre à foulon. Tes ingrédients pour ce masque sont simples. 2 cuillères de terre à foulon, 1 cuillère de jus de tomate, une pincée de bois de santal et une pincée de curcuma en poudre. Mélange bien tous ces ingrédients et ajoute de l'eau afin d'obtenir une pâte. Applique uniformément cette pâte sur ton visage, attends 10 à 15 minutes et rince-la avec de l'eau tiède. La terre à foulon resserrera tes pores et fera que ta peau sera belle et en bonne santé. Numéro 8. Crème anti-rides aux œufs et au miel. Ce n'est pas difficile de trouver une crème anti-rides de nos jours. Cependant, la plupart d'entre elles sont généralement remplies de produits chimiques dangereux ou alors elles ne sont pas vraiment efficaces. Heureusement, il existe une recette incroyable pour une crème anti-rides naturelle qui peut faire que ton visage soit instantanément plus jeune et brillant. Et si tu continues à l'utiliser de manière régulière, les résultats seront encore plus impressionnants. Pour la préparer, tu dois faire chauffer 2 cuillères de vaseline pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'elle ramollisse, puis ajoute 1 cuillère de miel et mélange bien. Après cela, ajoute 2 cuillères d'huile d'olive, un avocat mûr et un jaune d'œuf. Maintenant, mélange vigoureusement les ingrédients jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Et voilà, n'oublie pas de mettre la pâte dans un bocal fermé et de l'agiter. Avant d'utiliser la crème, laisse-la reposer pendant au moins 5 minutes. Tu devrais également te laver et te sécher le visage. Maintenant, tu peux l'appliquer. Masse doucement ton visage pendant quelques minutes en réalisant des mouvements circulaires avec tes annulaires et laisse la magie opérer pendant 30 minutes. Assure-toi de la retirer avec un disque de coton ou de l'eau minérale une fois que le temps d'application est fini. Numéro 9. Masque pour retirer les poils du visage avec du lait et du jus de citron. Les poils du visage sont un problème auquel beaucoup de femmes doivent faire face au quotidien. Tout le monde a sa propre routine de beauté pour s'en occuper, mais si tu es toujours à la recherche d'une méthode qui te donnera des résultats impressionnants en seulement quelques minutes, tu devrais vraiment essayer ce masque au lait et au jus de citron. Tout ce que tu dois faire, c'est mélanger 2 cuillères bombées de farine de pois chiche, 1/4 d'une cuillère de curcuma en poudre, 3 cuillères de lait frais, 1 cuillère de jus de citron et 1 cuillère d'huile de coco jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse, huileuse et jaune. Puis, applique simplement une couche épaisse de cette préparation sur toutes les zones où tu veux te débarrasser des poils. Laisse le masque sécher pendant 10 minutes, puis frotte-le doucement avec tes doigts pour le retirer. Quand tu as fini cette étape, lave-toi le visage avec de l'eau chaude et sèche-toi avec une serviette de douche pour compléter la routine. Numéro 10. Masque pour le visage aux agrumes. Quand nous sommes fatigués, notre peau commence à être terne et en mauvaise santé. Mais un masque aux agrumes peut facilement changer ton apparence afin qu'elle soit à nouveau brillante et éclatante. Ces fruits sont riches en acide citrique, qui est un exfoliant puissant et réveille ta peau. Et toutes les vitamines et les minéraux nourrissent ta peau et lui permettent d'être à nouveau en bonne santé. Dès que ta peau a besoin d'un petit coup de pouce, bats un blanc d'œuf dans un bol jusqu'à ce qu'il devienne un blanc enneige. Mélange 2 cuillères de crème aigre avec 1 cuillère de jus de citron fraîchement pressé et 1 cuillère de jus de pamplemousse fraîchement pressé dans un bol différent et mélange-les. Mélange comme il faut tous les ingrédients et applique la préparation sur ton visage pendant 15 minutes. Rince ensuite avec de l'eau chaude et tu es prêt! Connais-tu d'autres recettes faites maison pour avoir une peau douce et éclatante? Partage-les avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner. Reste du côté sympa de la vie.